Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre de mes passions qui est en fait la pâtisserie. Alors si ça ne vous intéresse pas du tout, c'est pas grave, vous regarderez la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai des livres. Mais sinon, si jamais ça vous intéresse, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des brownies. Alors vous l'aurez remarqué, c'est une qualité complètement différente. Alors aujourd'hui je tourne avec mon appareil photo. En fait la qualité image a l'air mieux, je n'en sais rien pour le son. Donc là c'est vraiment une vidéo test et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'image, du son, si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà, j'essaye d'améliorer mes vidéos le mieux possible. Donc voilà, on se retrouve en cuisine, c'est parti! Bien fondant. Alors moi je l'ai mis 10 minutes au four parce qu'il est assez fin, mais si votre plat est un peu plus petit, il sera donc plus épais, essayez de le mettre environ 15 minutes, mais ne dépassez jamais les 15 minutes, sinon en fait il va perdre tout son fondant et devenir trop sec. Alors c'est quand même très idiot pour une vidéo cuisine d'avoir oublié mon papier sulfurisé. C'est pour un anniversaire, donc j'essaye de couper des petits bouts. Donc là, on va être 8 et ça fera minimum 2 bouts par personne. Donc c'est plus sympa que de faire des gros morceaux parce que ça, en fait, le brownie, c'est quand même assez lourd. Donc voilà, des petits morceaux comme ça, c'est plutôt pas mal. Ma chaîne va quand même rester principalement axée sur la littérature, mais voilà, je pensais qu'une petite vidéo pâtisserie de temps en temps.
contente, ce serait sympa. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la qualité de la vidéo pour voir si je continue comme ça avec ma caméra ou avec mon appareil photo, ce que je viens de faire. Et sinon, ben, à bientôt, bon bisous.